Gerresheimer Momigny, c'est la plus grosse entreprise de la Baude du Hainaut avec plus de 500 personnes qui y travaillent. Ici, on a trouvé une niche qui permet à l'entreprise d'être concurrentielle. Nous sommes spécialisés dans la niche de mastiche, c'est le prestige pour la masse. Ça veut dire qu'on doit produire des produits de haute gamme, mais vraiment sur le prix le plus bas que possible. Les clients viennent chez nous avec une idée. Leur département de marketing vient chez nous avec une idée. Et ça, c'est le point de départ. Et là-bas, on va fabriquer le flacon de verre. Après, on lui demande pour approuver. Après, on fait le dacage. Ça va être aussi validé. Et après, on propose un décor. Et à la fin, on lui donne vraiment une solution prête, où est tout dedans. Et ça, c'est notre point fort. Et ça, c'est le seul moyen pour survivre ici. Nous ne sommes pas capables pour faire de très grandes séries sur un prix très bas comme des Chinois. Mais chez nous, c'est vraiment qu'est-ce que les clients font et on fait le processus complet. Et donc, on travaille sur des petites séries de 20 à 30 000 flacons quand même. Cette production est adaptée pour fournir aux clients sa commande le plus rapidement possible et selon des normes de qualité particulièrement pointues. Si on prend l'aspect de qualité, là-bas, on a trois choses qui sont très importantes. Premier instant, on ne peut pas avoir des erreurs critiques, que le verre a cassé. Mais aussi, la dimension du flacon doit être comme il faut. Et un troisième aspect, et ça c'est le plus difficile, est l'aspect visuel. Ça doit être vraiment sans erreur, parce que les gens payent pour des flacons 30, 40, 50 euros. Et là-bas, le niveau de qualité est plus élevé. Avec une production l'an dernier de 280 millions de flacons, ce créneau est manifestement efficace et les verreries de Momigny promisent un bel avenir.